On ne s'entoure pas, les gars. On ne s'entoure pas de genre de Jada. Ok? Là, maintenant, on va même plus dire l'esprit de Jézabel. On va dire esprit de Jada. Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. On espère, les gars, que vous allez bien. Ah, depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, si tu ne sais pas quoi faire, abonne-toi, clique sur la cloche. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer la vidéo. Donc à un moment donné, pourquoi attendre? Ok? Donc ici, c'est Jonathan Chis, si jamais tu veux juste arriver sur la chaîne. Ici, c'est la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Ok? Et pour ça, les gars, il faut 10 euros. À un moment donné, voilà. Donc sur mon type de cas, où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. Ça, c'est gratuit, c'est offert. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer. Voilà. Si t'as pas fait 20 ans une semaine, je sais pas pourquoi tu bégayes. Et pour tous les autres qui sont plus déterminés, la deuxième option, les gars, c'est que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies qui vont te permettre d'atteindre les 5K au minimum par mois. Ok? Donc après, les gars, et c'est financé. Voilà, c'est ça qui t'intéresse. C'est financé. Donc du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Tu pourras prendre un rendez-vous. Déjà, tu auras toutes les infos. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Et tu pourras leur poser tes questions sur le CPF, comment ça se passe, etc. etc. Ok? Et pas d'excuses, les gars, j'ai déjà arrivé dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Ça fait plus de 3 ans que je voyage. Tu vois, là je suis en Colombie, ça fait un moment. Tu vois. Donc, les gars, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, il n'y a pas d'excuses, les gars. Juste passe à l'action et passe directement au sujet de la vidéo. Donc, du coup, les gars, je reviens encore sur le sujet de Will Smith et Jada. Je pense que ce sera ma dernière vidéo par rapport à ça. Bon, j'ai vu que tout le monde se focus sur ce qu'a fait Will Smith exactement, tu vois. Enfin, exactement ce qui s'est passé, quoi. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, je vais attendre. Je sais même pas si tu m'entends là. Là, c'est en train de. On est en Colombie, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc du coup, le truc que je vais te partager, ouais, tout le monde se focus sur ce qui s'est passé exactement avec Will Smith. Mais personne se pose des questions pour savoir quelle leçon je peux en tirer, tu vois. Et moi, c'est ce que je voulais partager avec toi déjà dans cette vidéo. Déjà, première leçon que j'en tire de ce truc de ouf là, c'est que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Quand j'ai vu la vidéo quand il a giflé, je me suis dit, waouh, ça va, il va rien se passer, c'est Will Smith, etc. etc. Ben non, mon gars, là, en ce moment-là, c'est. Là, il a des soucis. Le gars, il a dû démissionner, enfin, il est sorti du registre des Oscars. Apparemment, j'ai vu un article, on m'a envoyé un article comme quoi Jada avait dit qu'elle aimait bien d'avoir la boule à zéro. Il y a plein de gens qui n'ont pas validé ce qu'il a fait, tu vois, plein de gens de la communauté black et autres. Donc je pense à Jim Carrey là, après j'oublie, mais il y en a plein qui n'ont pas validé et qui disent que c'est abusé. Et donc du coup, en gros, le gars, ça fait 30 ans qu'il est au top. Donc là, pour le coup, Denzel, il a vraiment eu raison, Denzel, pour le coup, pour lui dire que quand tu seras au top, c'est là que le diable vient. Parce que là il est en train de. Je pense que sa carrière, c'est chaud, quoi. Là, ça, pour sa carrière, c'est chaud. Alors que le gars, il était au top depuis 20 ans, quoi. Et il a fait une connerie, et il va tout perdre, quoi. Il va tout perdre. Là, dis-toi qu'il a déjà perdu de l'argent de ouf, là, d'ailleurs. Juste par rapport à ses réseaux. Comme moi, je suis quand même un expert dans les réseaux sociaux. Juste par rapport à ses réseaux, déjà, il va perdre de ouf, déjà. Il a déjà perdu. Parce que là, tu vois, il ne peut plus poster de posts Instagram. Tous les posts que tu voyais, c'était de la promotion, hein. C'est pas des trucs où il fait des photos pour faire le beau gosse. C'est, à chaque fois, c'est de la promotion. Donc, déjà, il perd déjà de l'argent, déjà, juste à cause de ça. Et en plus, sa carrière à Hollywood, ça va être chaud. J'imagine, le gars, il est même plus inscrit dans les registres des Oscars. Tout ça, bon, on va pas revenir dessus. Tout ça parce qu'il n'est pas capable de savoir gérer sa relation. Il n'est pas capable de se comporter comme un homme. Ce que attend Jada de lui, mais il a toujours pas compris ça. C'est ouf qu'il n'ait pas compris ça. Et donc, du coup, bah, comme il gère pas, bah, c'est quel bonhomme. Et comme c'est le bonhomme, bah, tout part en sucette. Donc du coup, ça, c'est le premier truc que je retiens, que je tire de ça, c'est que... Mec, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. J'espère qu'il a fait des investissements avec son argent, qu'il n'a pas compté ne seulement sur l'argent de ses films, etc. Parce que là, c'est chaud. C'est comme ça qu'il y a des stars, elles deviennent broke. Je crois que c'est... comment ça s'appelle? C'est Johnny Depp. Johnny Depp qui est
aujourd'hui il est pauvre. Le gars n'a pas d'argent. Alors qu'il a généré, je sais pas, des centaines de millions d'euros. Et le gars aujourd'hui il est broke, quoi. Tout ça parce qu'il a pas bien géré son argent. Et ça me rappelle même l'histoire de l'affaire de Marvel, tu vois. Le gars il faisait ses vidéos tranquillement, machin. Ça s'est mal passé, il a fait des vidéos, les gens ils ont pas aimé. Et du jour au lendemain, il a tout perdu, quoi. Bon, il a dû recommencer, heureusement, il a trouvé un bon avocat, mais c'est un truc de ouf. Et là, on parle des gens qu'on voit, qui sont visibles. Mais ça, c'est des choses qui doivent arriver à des gens qui sont même pas visibles. Alors eux, c'est encore pire. Eux, ils ont même pas de voix qu'ils portent, ils ont pas d'influence, ils ont pas de trucs. C'est pour ça que je dis, les gars, faut créer votre communauté, hein. Prenez YouTube, Money Machine, les gars, au minimum. Et pirate marketing, évidemment, pour si jamais tu veux vraiment faire de l'oseille, passer le cran au-dessus, quoi, tu vois. Mais c'est juste un truc de malade. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, même si t'es au top du top. Il n'y a pas de pardon, cousin. Il n'y a pas de genre, ah, c'est pas grave, machin. Les gens jugent selon tes actes. Et Will Smith, sinon, paye les conséquences de sa mauvaise gestion de son couple qui a répercuté sur sa carrière. C'est juste un truc de ouf. Lui qui avait dit dans, je sais pas si t'avais vu la vidéo où je te parle de son résumé de son livre, lui qui avait dit qu'en premier c'est lui, après c'est Jada, après c'est ses enfants et après je crois que c'est sa carrière en termes de valeur. Là, bah, il s'est complètement fourvoyé parce qu'il a mis sa femme avant lui. Donc il n'a pas respecté son échelle de valeur. Et voilà, voilà ce qui se passe quand tu respectes pas ton échelle de valeur. Donc du coup, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, bon, ça c'est le basique, tu le vois arriver. On ne s'entoure pas, les gars, on ne s'entoure pas de genre de Jada. Ok, là maintenant on va même plus dire l'esprit, esprit de Jézabel, on va dire esprit de Jada. C'est ça, c'est le genre de meuf, ça. Il y en a plein des Jada. Tu les vois, elles sont là, elles sont fraîches, hein. Fraîches, mignonnes, hein, rien qu'elles parlent, elles aiment parler philosophie, tu vois. Ah, nanani, là, toujours en train de remettre tout en question. Hein, ça, c'est voilà, c'est des trucs genre. C'est genre de. Nous, on ne s'entoure pas de Jada. Il n'y a pas de Jada autour de nous. Ça, c'est le truc. Il n'y a pas de Jada autour de nous. Parce que voilà ce qui arrive quand il y a des Jada autour de toi. On s'entoure que des femmes féminines. Et rien d'autre. Voilà. Rien d'autre. Hein, on va les laisser dans leur galère. C'est vraiment juste un truc de ouf. Donc voilà, c'était un petit peu les deux trucs que je voulais revenir par rapport à ça, les leçons que j'ai tirées de cette histoire qui est malheureuse pour Will Smith. On a tous un attachement pour Will Smith parce que je pense que toute la planète a un attachement pour Will Smith. Le gars marrant, cool, machin, il a fait un faux pas et il en paye le prix fort, quoi. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. Et après, au niveau des mises à jour, parce que je vais pas faire de mises à jour à chaque fois, mais ouais, en gros, il s'est désinscrit des Oscars, ça je te l'ai dit. Bah c'est tout, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, la plupart de l'opinion publique commence à se retourner, à part les meufs qui disent « Ah ouais, il a défendu l'honneur de sa femme !» Arrête. Plus je réfléchis au truc, plus je vois que c'est un truc de ouf. Elle n'est pas dans le quartier, là, tu vois. Tu veux dire, tu peux pas faire ça, en fait. C'est juste pas possible. Après, l'erreur est humaine, mais faut pas faire genre les meufs là sont trop contentes. Ah ouais, ça déchire, il a défendu l'honneur de sa femme. Ça se fait pas de vanner les meufs qui n'ont pas de cheveux. Mais arrêtez un peu vos conneries. Si on peut plus faire de blagues, c'est quoi, c'est... Vous voulez museler tout le monde, en fait, hein. On peut plus rien dire sous personne, en fait. On peut plus faire de rien, on peut rien dire. C'est quoi, hein. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien, quoi. Parce que dès que tu vas faire une blague, il y aura toujours quelqu'un qui sera heurté. Hein. Surtout qu'en plus c'était une blague sur le film. Je veux dire, c'était vite fait. Bref, je pense que je ferai plus de vidéos par rapport à ça. Ou peut-être, si jamais il y a un autre truc qui arrive. Donc voilà, les gars, c'est ce que je voulais partager avec toi. En même temps, ça te permet de voir ce que je fais tous les dimanches. En fait, ici, ça s'appelle la séro de la 13 Crucès. Et c'est ici que les gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font leur sport ici. Donc voilà, moi je viens pratiquement tous les dimanches ici, je viens. Voilà, comme ça me permet de faire un cardio d'une autre manière au lieu de le faire seulement sur en salle, tu vois. Et puis c'est cool, il y a des gens, il y a des balèzes qui s'entraînent là-bas, il y a des gens qui font l'exercice ici. Voilà, tu peux voir. Donc voilà, les gars, donc c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu l'as pas aimé. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est tout. Tu veux voir les balèzes ou quoi? Tu veux voir les balèzes quand elles s'entraînent? Attends, je vais t'emmener voir les balèzes. Il a bien déconné. Voilà. Là, les gars s'entraînent ici.
Voilà, il fait des galipettes, lui. Voilà, bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre ta chaîne sur ma mission, je l'ai dit. Tu es toujours libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing, ma formation, pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, voyager où tu veux et pouvoir être en Colombie ou ailleurs. Tu vois, moi je suis en Colombie. J'ai vu maintenant, il y a plein de gens qui viennent en Colombie, les gars. Là, il y a la Colombie, mais il n'y a pas que ça, les gars. Il y a plein d'autres pays où ça déchire. Notamment les pays de l'Europe de l'Est. Ah bon, là, c'était pas le moment, là. C'est vrai que. Bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. La formation est 100% financée, je te l'avais dit. Et puis voilà, c'est tout. Hein. On lâche rien. Ok. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais tomber. I'm